Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons faire un pavé de truite sur son aubergine graffiti. Pour cette recette, il vous faut 300 g de pavé de truite, une aubergine graffiti, 6 mini poivrons, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors, pour l'aubergine, vous allez enlever le petit bout, la couper en deux. Et après, ce que vous allez faire, vous allez inciser avec un couteau à l'intérieur. Comme ça va faire un quadrillage. Vous allez faire les deux aubergines comme ça. Vous allez allumer votre four à 200 degrés. Vous allez prendre une plaque à l'enfour avec une feuille de papier sulfurisé. Vous allez poser vos deux aubergines, vos poivrons autour. Vous allez mettre de l'huile d'olive. Les assaisonner avec du sel et du poivre. Et vous allez enfourner pour 30 minutes. Pendant que les légumes cuisent, vous allez prendre votre pavé de truite. Ce que vous allez faire, c'était faire une entaille. Et vous allez faire glisser votre couteau le long de la peau du poisson. Comme ça, vous allez enlever la peau. Voyez? Comme ça, c'est levé. Vous allez couper en deux votre pavé de truite. Et vous allez le laisser dans votre frigo. Et quand il restera 10 minutes avant la fin de cuisson de vos légumes, nous allons les mettre à cuire avec. Là, comme je vous ai dit, vous voyez, il reste 10 minutes. Ce que vous allez faire, vous allez poser votre pavé de truite sur les aubergines. Après, ce que vous allez mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et vous laissez cuire pour 10 minutes. Là, vous voyez, votre poisson est cuit. Ainsi que les légumes, nous allons passer au dressage. Voici notre assiette finie. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre aubergine et notre pavé de truite, ainsi que les mini poivrons. Vous pouvez accompagner votre plat d'une sauce vierge ou d'un beurre blanc. Si la recette vous a plu, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner au passage. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.